C'est quand même beau. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? L'adoubement. Quoi, on aurait couché dehors? Comment voulez-vous que ça s'appelle? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas, moi... Chevaliérisation. Quoi? T'as déjà pris? Le nom est zéro, mais ça reste drôlement chic comme cérémonie. Un nouveau chevalier entre dans la grande famille de la table ronde. Ah, et puis le petit coup d'épée là sur les épaules. Moi, ça me fait un petit pincement à chaque fois. Perceval! Si ça vous intéresse pas, vous êtes pas tenu de rester. Si, ça m'intéresse. Je disais justement que je trouvais ça émouvant. Alors fermez-la! Une heure que vous discutaillez, qu'est-ce que vous auriez dit si les gars en avaient fait autant pendant votre adoubement? Pendant mon quoi? Adoubement. Ah, ça? Ah non, mais je l'ai pas eu, moi, ça. Qu'est-ce que vous avez pas eu? Bah ça, la messe, le coup d'épée, tout le tralala. Moi, à mon époque, ça se faisait pas, hein. Bon alors, y est ou y est pas? Ben je cherche, hein, je cherche. Je vois pas tellement ce que vous cherchez. Je suis pas adoubé, c'est pas grave. Pas grave? Ben, je sais pas, qu'est-ce que ça change? Mais ça change que si vous êtes pas adoubé, vous êtes pas chevalier. Ah ben ça me ferait mal. Je suis désolé, hein. Les textes sont très clairs là-dessus. Hein. Seuls sont chevaliers ceux qui sont adoubés. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Puisqu'on vous dit que sans ça, vous êtes pas chevalier. Sans l'armure ou l'épée encore, je veux bien admettre. Non mais on s'en fout, c'est pas une question d'armure ou d'épée. Vous pourriez vous balader avec une cuillère à soupe, ça changerait rien. L'adoubement, c'est une condition pour être chevalier. Une condition? Et toutes ces réunions qu'on se fait là autour de la table? Justement, si vous n'êtes pas chevalier, vous n'avez rien à y foutre. Ah bon? Peut-être qu'on l'a adoubé vite fait, qu'on s'en rappelle plus. C'est gentil, mais vous cassez pas la nénette pour moi. Mais on s'en fout de vous. Comment ça? C'est pour moi qu'il faut se casser la nénette. Si on apprend que je colle des pignoufs, même pas chevalier, autour de la table ronde, demain j'ai la moitié de la Bretagne aux miches. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Alors, Bohort, Calogrenant, Dagonet, Lancelot, Léodagan, bon c'est pas dans les L, hein, là ça y est, MP... Bon alors il y est ou il y est pas? Bah je suis sur l'épée mais j'ai pas de chevalier et Perceval enregistré moi. Tête au G. Gerceval? Perceval de Galles. Galade, Gauvin, non c'est pas dans les G non plus. Et dans les F? Les F? Bah je sais pas, on a pas regardé dans les F, si? Si je disais ça comme ça, je sais pas lire. Mais ne soyez pas con, je vais vous adouber maintenant, ce sera fait. Sire, c'est pas très réglementaire, ça. Au point où il en est le règlement. Allez. In nomine patri et fili est... Non, bon, allez, c'est bon. Allez, que Dieu te fasse chevalier pour ton honneur et celui de ton lignage. Voilà, allez. Emballé, c'est pesé. C'est beau, quand même. Et là-dessus, tac, il m'adoube. Donc, après j'y passe quand même un jour, moi. Par contre, c'est pas génial comme nom, adoubé. Mais j'arrête pas de le dire, moi. Il aurait dû prendre chevaliérisation.